Muchas gracias, Ijaka. Primero quiero decir gracias a Ijaka para invitarme a esta conferencia y para contribuir sus experiencias en nuestra colaboración europea, de Grupo Europea Universitaria. Je change en français. Et c'est ma première présentation française dans une conférence internationale. Et c'est parce que Ijaka m'a dit que Frédéric parle un peu moins l'anglais que moi, je parle le français. Alors, il y a une seule traductrice, merci beaucoup, qui va traduire mon français en espagnol. J'ai décidé de vous présenter notre situation stratégique et politique en Autriche, politique d'éducation universitaire, en relation de ce qu'on peut faire avec un système dual, ce que sont les défis que nous rencontrons et ce que nous essayons de faire en Autriche. Moi, je suis à peu près dans la même situation que Ijaka est, et notre université est dans la même situation que l'université du Pays Basque. Nous sommes les premiers en Autriche d'essayer d'expérimenter avec le système dual. Alors j'étais pendant plus de 10 années le seul dans mon université et le seul en Autriche d'être directeur d'un programme dual. Pendant les 3 années passées, l'intérêt a augmenté exceptionnellement, pas seulement dans les autres universités en Autriche, mais aussi dans les pays voisins de l'Autriche. En Hongrie, en Slovaquie, Slovénie, les universités maintenant ont le devoir de développer des éléments pratiques dans leur programme. Alors, les Vienne en Autriche, les Vienne en France et aussi les Vienne en Allemagne. Alors, je viens d'une université polytechnique à Graz en Autriche, c'est l'Autriche. Graz est dans le sud-est, à peu près 50 km de la Slovénie et 50 km de l'Hongrie. Et elle était capitale culturelle d'Europe en 2003. Et aussi un centre des industries, spécialement automobiles, microélectroniques et wellness touristique. Nous avons quelques universités et 2 universités polytechniques. Notre université a à peu près plus de 40 à 4 000 étudiants. Nous sommes 600 employés. C'est plus que l'université à Mosbach, parce que nous avons la partie de la recherche aussi. Alors nous avons beaucoup de secrétaires, beaucoup d'échanges dans le central que vous n'avez pas, et nous avons les jeunes chercheurs aussi, mais aussi à peu près 900 enseignants externes des autres universités, mais aussi des entreprises que nous travaillons. Ce sont à peu près 50 millions d'euros que nous coûte, et c'est partagé entre le gouvernement fédéral qui nous donne de l'argent pour chaque étudiant, à peu près 7 000 euros par an et étudiant, par le gouvernement régional de l'Styrie qui est le propriétaire de notre université, et les municipalités. Nous avons 3 campus. Graz est le plus grand. Les municipalités doivent mettre à notre disposition les bâtiments. Aussi, nous avons à peu près 6 millions d'euros revenus de la recherche. Nous avons 6 départements ou facultés avec plus de 40 programmes en bachelor et master. Et moi, je fais partie du département engineering avec mes collègues de automotive engineering, aviation, electronic engineering.
Et dans mon institut, nous avons 4 programmes et tous les quatre programmes sont duals, de manière un peu différente, parce que moi je crois et je sais que il n'y a pas une solution pour toutes les études. Il y a toujours des questions comment enseigner et les réponses sont différentes. Alors nous avons 2 bachelors, Production Technology and Organization, Food Management Soutenable, et 2 masters, et le dernier master seulement va commencer l'année prochaine. Notre système dual, nous avons d'abord appris beaucoup des Allemands, et c'est aussi un chemin retour à nos racines, parce qu'il y a une très forte histoire d'apprentissage au niveau secondaire, et qui jusqu'à maintenant existe seulement pour les jeunes de 15 à 18 ans. Et maintenant, nous essayons la même chose au niveau universitaire, mais avec une nouvelle pédagogie académique. Le système a été créé initialement aux États-Unis. Après, on a entendu en Allemagne, et nous avons commencé à FH Joanneum avec ingénierie des systèmes de production en 2002, et nous avons des alternances de des périodes académiques et des périodes de travail dans des entreprises partenaires, et toutes périodes sont obligatoires pour diplômer. Et c'est très 2002, c'était très à peu près la même chose qu'en Allemagne. Mais à l'année, c'était des études de 4 ans. Alors, en Allemagne, il y a un contrat de 3 ans avec les entreprises. Dès le commencement, nous, on a eu un contrat de 4 ans parce que nous n'avons pas voulu être Berufsakademie allemand. On a voulu, dès le commencement, de s'intégrer dans le système officiel autrichien. Et en 2002, c'était un système d'université polytechnique, 4 ans diplôme. En 2011, en changeant au bachelor et master, nous avons changé des autres choses aussi. Par exemple, nous avons changé à une année totalement à l'université. Il y a des raisons pour ça. Alors maintenant, on a un système hybride Allemagne et Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Nord, Canada et aux États-Unis, toujours les étudiants doivent passer une année à l'université avant d'aller dans les usines, dans les entreprises. Et en 2012, on a commencé un programme dans un autre thème. Et ici, on a trouvé qu'on ne peut pas faire autant dans le sujet de agroalimentaire pour devenir diplômé pratique. Il est très important d'avoir d'expérience dans une ferme, dans la production et dans le marketing ou dans le marché. Alors là, les jeunes doivent faire leur stage le long de la chaîne agroalimentaire et pas dans une seule entreprise. Alors typiquement, ils choisissent à peu près 5 entreprises en leur chemin au diplôme. Nous avons commencé le premier programme master avec le même système, 3 mois à l'université, 3 mois au travail et un contrat de 2 ans avec l'entreprise. Il a duré
12 ans en Autriche jusqu'à la seconde université à commencer un programme dual. Et maintenant, finalement, il y a une initiative nationale de l'agence d'accréditation nationale et du ministère de définir ce qui est dual et de définir des éléments pour le futur, pour les autres universités de commencer. Alors, le système dual ne peut pas être un objectif d'éducation par soi-même. Il doit répondre à des défis politiques, stratégiques. Et qui sont les défis en Autriche? Et peut-être c'est la même chose aussi au Pays Basque. Et c'est notre système d'éducation. C'est très pareil au système au système allemand. Il y a une voie apprentissage qui est, il est possible d'atteindre aussi un master, un doctorat. Et il y a typiquement le lycée. Et les problèmes que nous avons, c'est beaucoup, plusieurs et plusieurs enfants veulent passer par le lycée. Et moins enfants, parents, veulent atteindre une profession avec apprentissage. Le second, c'est suivi. Nous avons plusieurs, beaucoup plus de gens qui vont à l'université, mais il n'y a pas le travail pour tous les gens. Ils sont éduqués, ils étudient pour la recherche, mais l'industrie veut plutôt des gens qui vont d'ici. Il n'y en a plus. C'est un défi que nous avons. Si on regarde ce que font les jeunes de 18 à 20 ans, ils s'inscrivent à l'université peut-être pour trouver le travail. Mais beaucoup d'eux veulent s'inscrire à l'université pour ne pas devoir chercher de travail, pour éviter le travail. Et il y a beaucoup qui travaillent déjà. Alors, s'ils ont du succès, ils vont travailler. Quelques-unes continuent les études pour trouver le travail préféré et les autres continuent les études parce qu'ils ne trouvent pas de travail avec les études ou parce qu'ils ne veulent pas chercher un emploi parce que c'est agréable d'étudier à l'université. Mais il y a les autres qui veulent aller à l'université après avoir commencé le travail. Ce sont des gens différents. Et la situation que nous avons maintenant, pas de problème s'il y a un job, mais on a un nombre qui grandit avec des jeunes qui ont une crise personnelle et nous avons une crise de système en Autriche, commençant à des nombres très bas, mais avec une augmentation exceptionnels, qui ont un faux emploi ou qui vont au chômage. Dès quelques années, nous avons les premières mesures nationales qui sont concentrées à des jeunes diplômés des universités qui sont en chômage pour leur donner des courses extra. Un peu de statistiques. Ce que vous voyez ici, c'est la prévision du nombre des étudiants, ce sont ceux qui vont au lycée. Collège est une forme de lycée technique ou économique, et ce sont les apprentis. Il y a un nombre des apprentis qui se baisse de plus en plus. Alors, on a une réduction du nombre des ouvriers qualifiés, plus de 12% comparé à le nombre que nous avons besoin dans l'industrie.
Il y a, ici c'est notre province, l'Asturie, plutôt rurale, et c'est Vienne. Il y a une croissance de la population dans la grande ville et une décroissance de la population dans les régions rurales, ce qui est aussi un problème spécialement pour les petites entreprises. Oui, il y a beaucoup de plus en plus diplômés mais universitaires et il va durer longtemps jusqu'à la migration des gens des autres pays va faire une différence positive avec les jeunes. Alors ici, il y a un problème des entreprises qui ne trouvent pas des employeurs disposant des compétences a priori pour s'accroître et innover. Et c'est aussi un résultat de statistiques européennes. Alors, la semaine passée, il y avait la semaine européenne des compétences professionnelles parce qu'il y a ce problème. Et il y a quelques actions qui doivent créer de nouveaux groupes de diplômés avec ces compétences. Et avec les universités, dans cette situation, c'est assez difficile de trouver une position dans la société et j'ai essayé de marquer les deux points opposés de quelques questions. D'une part, on veut que nous offrons des études flexibles et individuelles, que nous offrons des relations personnelles avec les professeurs, entre étudiants et professeurs. De l'autre part, il y a beaucoup de courses, lignes ouvertes, massives, anonymes. On peut étudier partout. On ne doit plus aller à l'université. On peut rester chez eux. Souvent, l'industrie demande quelque chose de nous. Ils nous disent ce que nous devons faire. Les compétences qui manquent, nous devons les préparer. Et l'employabilité définie par le marché et devient de plus en plus la direction qu'on veut que nous allons. Et à l'autre côté, on nous demande ne perdez pas la pure éducation. Ne suivez pas seulement l'industrie. Il y a la priorité pour recherche et développement dans l'estime des professeurs. Mais à l'autre côté, les étudiants veulent enseignement excellent et ils veulent et nécessitent le support. Et le dernier, il y a ce montée visible de chômage et de faux emplois. Et à l'autre côté, il manque d'ouvriers qualifiés. Alors, quoi faire? Une chose que je ne veux pas dire beaucoup, mais ça, le ESG 2015 est devenu très important pour notre politique universitaire. Ce sont les références et lignes directrices pour l'assurance de qualité. Et pourquoi? Il y a des éléments qui sont très intéressant pour trouver des solutions aussi dans un système dual. Et c'est la raison pourquoi les pays voisins viennent d'apprendre de nous, parce que dans tous ces pays, il y a maintenant de nouveaux directrices. C'est une des choses, c'est centrer l'enseignement doit être centré sur étudiants et les parcours d'apprentissage doivent devenir plus flexibles. Un autre objectif est que nous, dans les universités, devons contribuer à l'insertion professionnelle des étudiants et nous devons garantir l'environnement que ceux
sont possibles. Ce que ça veut dire sur l'élaboration et approbation des programmes, et j'ai marqué seulement les choses que moi je crois que nous pouvons répondre à, c'est intégrer expertise externe et offrir des stages bien structurés. Encourager le sens de l'autonomie de l'étudiant tout en garantissant un accompagnement adéquat et un soutien de la part de l'enseignement. Et ce sont des choses que nous avons pratiquées pendant plusieurs années. Alors, comment réaliser un chemin individuel et flexible des études universitaires? Le rôle spécifique des universités, ce sont les universités traditionnelles, et c'est le rôle qu'on nous a donné en Autriche, non orienté à une discipline, orienté à une profession, non orienté plutôt à la théorie et la recherche, mais à la théorie et leur application, et il n'y a pas de stage à l'université, et dans nos programmes, il y a au moins un stage obligatoire. Dans mes programmes, dans notre institut, c'est un programme typique, ingénierie des systèmes de production, c'est le bachelor et c'est le master. Et il y a une succession de semestres théoriques et de stages de travail. Et vous voyez que c'est notre responsabilité. Il y a une responsabilité de l'entreprise, mais c'est l'étudiant qui est responsable de lier les deux. Et nous avons fait trois très importantes transformations. Le premier était de transformer la première année à une année, seulement à l'université, ça nous a donné des arguments contre nos collègues qui sont très pour qui la théorie et la recherche est très important, parce que maintenant nous avons beaucoup plus de temps à préparer les étudiants aussi au niveau scientifique, mais aussi accompagner les étudiants à préparer le choix de l'industrie. D'abord, on a demandé aux étudiants de venir avec un contrat avec une entreprise, et on a trouvé que ça rend l'étudiant plutôt employé de l'entreprise et moins futur diplômé. Et maintenant, par demander de rester à l'université d'abord, nous avons beaucoup plus de force sur le développement des jeunes. Il est très important d'apprendre aux étudiants de prendre prendre le pouvoir, c'est leur responsabilité de devenir et de créer leur chemin d'éducation. Et le troisième était, avec le bachelor, maintenant il a la possibilité des jeunes d'ici d'entrer dans le master sans avoir passé le bachelor en système dual. Et c'est intéressant pour les entreprises, parce qu'ils peuvent dire, je veux un jeune qui a étudié métallurgie à l'université, mais au niveau de master, je veux avoir le même jeune comme trainee dans mon usine pour le préparer. La pédagogie que nous avons vient de David Kolb, un Américain. Est-ce que nous essayons d'organiser l'expérience concrète dans les usines, apprendre aux partenaires de réfléchir avec observation et faire la même chose ici à l'université
et ensemble créer un programme dual avec des cycles d'apprentissage complètes. Un exemple, comment préparer individuellement pour l'insertion professionnelle, c'est le programme Management agroalimentaire soutenable. Et si tu veux, comme jeune, devenir manager de hygiène dans une laiterie, tous les jeunes étudient les mêmes choses dans les semestres de théorie, mais nous les aidons de choisir les entreprises et l'état de faire dans les stages dans une manière que, à la fin, ils ont une éducation 100% individuelle et adaptée à la carrière qu'ils cherchent. Par exemple, la ferme, un producteur de lait. Alors, une autre ferme, production de fromage, peut-être un laboratoire chimique dans le troisième stage, après dans une laiterie industrielle et travailler à une thèse qui leur promet d'entrer dans peut-être cette industrie. Les cinq caractéristiques fondamentales de ce système dual et ils ont des conséquences très très profondes pour qui changent le rôle. La première, c'est les entreprises s'engagent comme enseignants. Et nous devons leur aider de développer cette fonction. L'université, quand ça fonctionne, peut se concentrer dans enseigner les matières scientifiques, théoriques, technologiques et méthodologiques, parce que les matières appliquées sont enseignées mieux dans les entreprises. Alors, nous pouvons partager, nous ne devons pas enseigner tout. Les partenaires devront optimiser plusieurs interfaces et points de rencontre dans les programmes. C'est difficile et nous devons prendre ça au sérieux. Et ce qui vient, ce sont les forces, faiblesses, possibles et menaces de cette coopération deviennent visibles immédiatement pour tout le monde. Alors, ça nous aide beaucoup à une amélioration continue du programme. Et le dernier, les étudiants se trouvent propriétaires du processus. Seulement les étudiants connaissent l'entreprise et connaissent l'université. Alors, seulement les étudiants peuvent faire le mieux de ce chemin personnalisé. Ne travaille pas très bien. C'est ce que nous voulons réaliser. Et ce sont des images pour. Et vous pouvez peut-être comprendre la qualité si ça marche bien, mais aussi le danger si ça ne marche pas. Je me souviens. Quand j'étais jeune, c'était souvent que le team américain a perdu aux Jeux olympiques parce qu'ils ont perdu le bâton. Ils étaient les plus vite, les plus rapides, parce qu'ils ont pas perdu le bâton. Alors, c'est une opportunité, une chance d'être plus vite pour atteindre un but. Mais si vous ne prenez pas au sérieux les problèmes de collaboration, ça ne marche pas. Même chose avec la balance, même chose avec contact et connexion. Il y a une autre chose. Alors, la première chose que nous allons optimiser et nous essayons en Autriche, c'est le chemin individuel des étudiants et le chemin flexible. Mais une autre chose est le problème que nous avons avec innovation, et spécialement dans les régions non urbaines et dans les petites entreprises.
Par exemple, ce sont les entreprises de une de nos programmes et ils sont de 10 employés jusqu'à très grandes entreprises aussi allemandes que vous pouvez trouver par ici. Et la situation, c'est que la participation des entreprises a diminué, spécialement la participation des entreprises, des petites entreprises. Et les institutions de la recherche et nous, les universités, manquent à établir des relations avec les petites entreprises. Recherche et développement est concentré de plus en plus dans les grandes entreprises et multinationales. Et les petites entreprises et les produits et processus innovatifs sont vitaux pour soutenir une production et pour créer ou retenir l'emploi en Autriche, qui est un pays de haut salaire. Nous ne pouvons pas être compétitifs avec la masse de production. Et la coopération dans le système d'éducation duale offre possibilités nouvelles du transfert scientifique. Et je veux vous montrer quelques images de ça. C'est la capitale de la Styrie, c'est Graz. C'est une classe, la classe de 2004. Et cette classe, il y a la collaboration avec ces entreprises. Et dès le moment du commencement du programme, vous avez des petits campus ruraux dans les entreprises que vous pouvez optimiser, vous pouvez regarder comme un bureau universitaire. Mais pour réaliser le potentiel, réaliser les opportunités, il faut les processus aussi. C'est notre université. Il y a ce problème de communication entre industrie, recherche et développement. Ce sont les autres universités et les centres de recherche en Styrie. Et aussi, dans le passé, les universités polytechniques étaient créées pour lier l'industrie et la recherche, mais en suivant ces principes, vous avez plusieurs occasions de contact. Vous avez un transfert personnalisé par étudiants, enseignants et supérieurs industriels. Vous pouvez réaliser projets industriels par les futurs experts diplômés et vous avez sujet pour la recherche appliquée à l'université. Vous pouvez agrandir ce chemin. Et je viens à mes derniers diapositives et mes idées de stratégie de programme, ce que nous faisons. Nous faisons, par exemple, nous commençons avec une formation management d'innovation pour les enseignants. Les enseignants à l'université doivent comprendre que maintenant, avec les étudiants et les superviseurs dans les entreprises, ils ont un devoir de management d'innovation. Nous réservons assez de temps pour la supervision, le super des étudiants. C'est assez difficile de diminuer l'enseignement et d'offrir de temps aux enseignants et payer le temps d'aller dans les usines et de retourner. Nous essayons d'activer la devise « Votre entreprise va à l'université », spécialement pour les petites entreprises, de changer dans leur tête et de se connaître comme l'entreprise totale se trouve dans la possibilité d'étudier et de se développer. Nous avons développé des modèles coopératifs avec de nouvelles entreprises. Comment aider un start-up par introduire un étudiant dual
ou la situation de succession dans une petite entreprise. Comment intégrer le fils ou la fille? Et convaincre les étudiants à passer un semestre à l'étranger, je ne peut-être dois pas vous expliquer pourquoi ça aide l'innovation, et aussi convaincre les entreprises d'accepter un étudiant étranger dans l'entreprise. Et si nous essayons de devenir aller de l'apprentissage à l'innovation permanente, et je crois que ce que nous essayons est de rendre le transfert d'innovation un but central dans tous les stages de nos programmes. Regarder les étudiants comme des marchands du savoir et de la science entre entreprises et universités et demander des résultats concrets. Et tous les participants réfléchissent constamment les résultats de la coopération. Et ce que nous trouvons dans les petites entreprises, un seul étudiant peut faire la différence. Et quelquefois, cela constitue une motivation pour des bons étudiants pour accepter une position hors des entreprises attractives. Alors, mon bilan final des possibilités, c'est pour les étudiants, le système DIAL offre un chemin d'éducation et de professionnalisation individuelle et flexible. Pour les entreprises, la coopération avec les universités est possible pour développer des diplômés beaucoup cherchés avec capacité pratique. Et pour nous, les universités, ce sont nouvelles possibilités pour la recherche et pour le développement trouvées seulement par contact direct entre professeurs et responsables industriels. Et ça offre aussi des possibilités de publication et de la monnaie pour recherche. Ok, merci beaucoup pour m'écouter. Et bonne chance avec le programme ici.